Eh bien, salut à tous, chers amis, c'est Dean Oliveira, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de FIFA 21. Donc, je vais vous montrer un petit peu le mercato qu'on a fait, parce que y a des choses que je ne crois pas vous avoir montrées. Alors, on a déjà prêté Hassani, donc à Saint-Mirren, enfin, je l'appelle comme ça, on va dire qu'on va l'appeler comme ça. On a récupéré Lucas Chevalier du LOSC, pour 2 600 000. Donc, un gardien au potentiel intéressant, mais qui pour l'instant ne m'a pas montré grand chose. On a vendu Zadi Seri pour 3 millions 4 en plus d'un certain Marin, hein, un milieu central, qui du coup, je l'ai mis milieu central, hein, du coup, je l'ai pas repositionné autrement. Et du coup, j'ai récupéré Jérémy Livolant, milieu droit de Léon Guingamp, à 3 600 000, que je vais repositionner en milieu gauche. Voilà, donc on a notre milieu gauche. On a donc notre système de défense qui a quand même bien augmenté, hein, parce que Marin, c'est pas n'importe qui non plus, hein. Il est quand même très très bon. Au niveau défense et tout ça, donc je pense que il peut être très intéressant lui. Je vais juste voir le rôle, pas forcément le rôle, c'est... ouais, j'avais mis qui pouvait monter, etc. Donc ça, c'est bon. au niveau accueil d'équipe, par contre, je ne me souviens plus. Je me souviens plus ce que j'avais mis dans les développements. Alors... Là, ça, c'est bon pour le défenseur relayeur. Plan de développement, on va lui mettre un autre truc. Où est-ce qu'il prend le moins de temps? Apparemment, c'est libéraux. J'aimerais bien qu'il augmente son accélération quand même. Donc, je vais le mettre défenseur central pour augmenter au moins son accélération. Sinon, on a El Hadj Dabo. Qui a 72 général. Bon, apparemment... Ouais, lui, j'avais déjà mis là où ça augmentait le plus vite. Donc lui, à mon avis, il augmentera plus des masses. Du coup, je ne sais plus si c'est Jaskalainen ou Gomez que j'ai mis en prêt. Mais c'est un des deux, hein. Ok, lui, j'avais mis contribution défensive à augmenter. Luc Follet est toujours comme il faut. Jérémy Livolant, donc je l'ai mis milieu gauche. Il va très vite l'être, hein, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Et du coup, là, aujourd'hui, on va avoir déjà un match contre QPR à simuler. Donc on va le simuler vite fait, bien fait. Simulation rapide. Est-ce qu'on va le gagner? La réponse est oui, grâce à Livolant et Nkobo. Eh ben... Nkobo qui marque. Bon, Livolant, c'est son premier match, hein, sous nos couleurs, donc c'est quand même vraiment bien qu'il marque directement. Alors, je ne sais pas quel autre match on avait. Ouais, donc Jaskalainen, je l'avais mis en prêt. Merci coach, je pense qu'un prêt est exactement ce dont j'ai besoin pour me relancer. La même longueur d'onde. Est-ce que je pourrais avoir la chance de jouer plus souvent en équipe première? Je ne supporte plus trop d'être sur le banc. Je vais y réfléchir. Je vais y réfléchir, mais je te dis pas que tu vas jouer. Hein. Offre de prêt pour Lokilo. Alors ça, par contre, c'est mort. Offre de prêt avec option d'achat, bien sûr. Alors, je rejette, tout simplement. Hein, il ira se faire foutre. Lokilo, pour l'instant, il va rester dans mon équipe. Alors, l'entraînement, qu'est-ce qu'on a? On a deux entraînements qui ne servent à rien. On va changer d'exercice. Alors, on va mettre ça déjà. Pour commencer, on va enlever... non, là c'est bon. Où est-ce qu'il faut que j'enlève? Ici. On va changer le joueur marin parce qu'il va être méga crevé sinon. Et on va mettre... Bon, on va mettre Jaskalainen. Histoire de... Ah, il était déjà dans un autre truc. Bon. Eh ben... D'accord. Hop. Voilà. C'est bon, t'es content?
Ni. Donc, autre exercice ici aussi. Et on va mettre du coup l'exercice de défense. Celui-là. Et on va remplacer lit volant. Et on va mettre. What? C'est un des seuls que. Qui n'est pas crevé, donc. Autant le faire. Hein. Alors, le prochain match. On a encore quelques. Un petit peu de temps hein, pour le mercato. Je ne sais pas si on avait fait. Je crois que si. Ah, attendez, je vais regarder. Je vais regarder l'historique de transfert. Tac-tac. C'est pas ça. Alors, apparemment. Ouais, non, apparemment, il n'y en a qu'un seul que j'ai transféré pour l'instant. Donc, je peux potentiellement perdre un autre joueur. Donc, il y aura potentiellement un transfert supplémentaire dans notre équipe. Je dis pas forcément qui ce sera, mais bon. Hop, merde. J'allais faire une boulette. Allez, chevalier, tu vas être sur le banc. Et on va mettre Orton et Amos à la place de Ngamba. Toujours utile. Tac, voilà. Ouais, je pense que ce sera bon. Je pense que ce sera bon. Je mettrai certainement Ewitt sur le terrain vu qu'il voudra jouer. Et certainement Orton et Amos rentreront. On verra bien pour ça. Bon, allez. Let's go pour la simulation interactive contre Cardiff City. Ce serait bien qu'on le gagne aussi celui-là. Comme ça, possibilité de monter en première division, t'imagines? Franchement, ça pourrait être sympa. Hein. Ça pourrait être très sympa L'arbitre qui de siffle monter le coup direct en d'envoi première de ce division. match à l'instant. Au bout de 2 saisons, t'as déjà fait 2 level up, tu sais. Mais bon. Jones. C'est. Après. Comme je dis. Allez, il peut faire un truc intéressant là, il y a du soutien. Première division, première ligue anglaise, ce sera très Jones. compliqué. Donc Ouais, peut-être on la passe verra bien levée. hein, si on Ouais, belle continue séquence avec de Doncaster passe, Overs ou attention, hein, pas. De ça toute peut énerver façon, normalement l'adversaire. c'est 2 saisons max. Donc on verra. Un mauvais En tout ballon cas, ça. je peux le dire, je termine cette saison avec Doncaster Overs. Hein. Attention, il y a un peu d'espace Peut-être là, je rentre en devant jeu. lui. Ouais, pas mal ça. Allez, Marin. Allez, il faut le mettre celui-là. Raté. Il fallait dégager, hein, c'est bien. C'est con. On le sait, il y a une équipe qui fait vraiment la course Ok. en tête. Ça va être Oh compliqué putain. d'aller la chercher. Ouais, le plus remarquable ou le plus triste dans tout ça, c'est que ses poursuivants l'ont Dommage. d'ailleurs déjà bien compris. Dommage. C'est loupé. On revient. On revient dans la simulation Jones. interactive. J'ai loupé Mais non, le truc. qui est rendu au camp adverse. Il alerte son Là, partenaire je dans vais le peut-être laisser dos. faire. Attention, Avec un si peu de ça chance. rentre. Ouais. Heureusement qu'il a été dévié. Sinon, Avec c'était un au peu de chance, fond. je laisse faire. Maxime, le gardien qui nous Oh, régale encore encore avec dévié. cette parade. Et c'est à nouveau un corner. Ah, c'est dommage quand même, hein. Il y a des possibilités. Jovanette. Mais on les concrétise Jones. pas. Bon, en tout cas, vous, j'espère que. Il conserve Ça va le bien hein, ballon. cette période de Ils espèrent fête trouver qui une est un petit peu possibilité particulière hein, de cette mener année, une bien sûr. attaque. Bonne circulation Allez du hop, ballon. Miro là. Attention. Oh, la bonne défense. Ouais, l'arrêt du gardien qui ne Oh là relâche là. pas ce ballon. Je crois qu'il y a du nouveau au tableau d'affichage de Bramall Lane. C'est à Sheffield que ça se passe. Dites-nous. Oui, Hervé, avec le deuxième Ouais. but. Bon. Dommage, dommage. Sheffield United, donc Quel 2 buts à rien pour l'instant, après 36 minutes de jeu, Hervé. Merci infiniment. Ouais, il se repasse le ballon, ça fonctionne bien.
Ça presse haut, attention à ce ballon. Raté. Bon, eh ben, première mi-temps, pas terrible. Ouais, on verra bien la deuxième parti, mi-temps ce que ça donne. Période. Oui, ce qui est intéressant, c'est de voir s'il y a de nouvelles consignes tactiques qui ont été données au repos. Bon, pour l'instant, c'est pas ouf non plus. Hein. Ouais, qu'est-ce qu'il nous a fait ? Il a donné ce ballon. Tech. On mettra Ewick directement. Ouais, il y va tout seul. Énorme occasion. Le centre en retrait, attention. Oh, oh c'est putain. Dévié. Heureusement, sinon ça faisait but. Ouais, j'en ai bien l'impression. Trop, quoi, trop la haine. Pas grand chose parfois. Hein. C'était très bien fait, mais peut-être. Comme par hasard, ça a été compté. Nouvelle, hein. Comme par hasard. Le joueur a bien choisi. Ouais, c'est bon, y a rien, monsieur l'arbitre. Il y avait rien du tout, monsieur l'arbitre. Oui, sachez que la transaction se situerait dans des sphères assez folles. Ouais, une, deux. On cherche un partenaire encore, ça circule bien. Ouais, c'est joué par-dessus. Ballon capté par le gardien. Aïe, 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 aïe. Murphy. Essaye de trouver la faille. Et le allez, but un de but la pour eux, malheureusement. L'ouverture du score. Bon, de toute façon, on va rentrer en cours de jeu, mais je pense pas qu'on puisse c'est faire vraiment la différence. Du score. 1-0. On verra. Si j'arrive à marquer ou pas. Déjà. Oh, ça putain. Finalement, hey, ils se mettent à 3 sur moi hein, en même temps. Passe. Défense à 3 contre 1, c'est un peu minable de leur part. Hein. On transmet ce ballon. Ça, c'est donné à l'adversaire. Ok. Ok. Évolution, semble-t-il, du score à Bramall Lane à l'instant. Oh putain, mais genre, Et oui, c'est le troisième but en faveur de Sheffield United. Genre. C'est n'importe quoi. Ça, c'est des trucs qui devraient pas arriver. Bon, eh ben, Lokilo et Nkobo, vous rentrez. Hein. Le ça aurait dû être Amos et Horton, mais alors que le match a là, j'ai pas le choix. Il y a 68 minutes, c'est exactement. Soit merci, je cherche le nul, l'info. Soit je perds des points. Ouais, ça joue pas mal. Oh, putain. Ils sont en train de revenir ça aurait dans pu ce être match. Bien. Ils hein. peuvent espérer ça aurait été bien fait, mais attention, peut-être comme je dis, de il manque toujours un peu de réussite. Entraîneur de l'équipe locale qui va faire entrer du 109. Oui, on va voir si ces changements vont entraîner un repositionnement tactique. Ce carnage. Il part du ballon. Essayer de vite relancer son équipe. Le c'est pas dit que ça aurait été mieux avec Rodwell. Ah putain, avec Chevalier perdu, dans les buts. L'adversaire s'est interposé. Il y a des matchs comme ça qu'on Murphy. Va perdre, c'est sûr. Ouais, le ballon qui ça. Change de camp, magnifique. Et le score qui n'évolue plus. C'est bien Dabo. Deux équipes qui font vraiment jeu égal hein, pour le moment. Ouais, lui donne ah carrément. Putain. Moi par contre, sûr, tu vois les passes puputes, ça passe jamais. Hein. Oui, on sent que ça peut basculer sur cette action. Le 12e homme joue son rôle à fond. Pourquoi tu l'as fait à lui ? Pourquoi tu l'as fait à lui ? Oh là, il fallait ah putain, Taras. Les 6 dernières minutes du temps réglementaire. Ça peut être dangereux là s'il lance la contre-attaque. Ah, Taras. Changement logique, hein, Pierre. Oui, parce que c'est plus à eux de faire évidemment. Le jeu. Ils mènent le score. Maintenant, ils vont essayer de jouer en contre, c'est clair. Callum Patterson. Il est passé. Oh putain, en plus, je passe à travers tout. Oh, ça va être dedans. Oh, bah, laisse tomber. Allez. Laisse tomber, je suis passé à travers toutes les actions. Laisse tomber celui-là, je l'aurais pas gagné. Ah, c'est quand même risqué de tacler la fin du match, je suis fait à l'instant. Ouais, avec ouais. Cette défaite et ses j'ai rien pu faire. Hein. Pour l'équipe visiteuse. On n'a pas vu le jour dans celui-là. On a eu quelques actions, mais. Rien à faire, à chaque fois, soit les passes c'était merdique,
soit il y avait autre chose qui foutait la merde. Donc, rien pu faire du tout. Rien, mais de rien. Bon, allez. De toute façon, là, autant mettre l'équipe B, je pense. Voilà, simulation rapide. Démerdez-vous. Voilà, on l'a perdu. Ah, tu mets l'équipe B! Tu cherches pas à gagner les mirettes FA Cup? Bah ouais, je cherche pas à la gagner parce que j'ai pas suffisamment de joueurs compétents. Donc autant mettre l'équipe B. Les faire jouer un petit peu. Et pour le reste, bah ils se démerdent. Hop. Le retour du blessé. C'est qui le blessé déjà? Je l'ai complètement oublié. Ah, c'est Connolly. Ah, enfin. Enfin, tu vas peut-être pouvoir m'être utile. Adam Holloway. Est-ce qu'il pourrait être utile? Pas du tout, hein, vu son général de merde. Lui, il pourra pas être utile. Lui. C'est quoi cette équipe de brun? Joueur de merde. Tac. Et puis toi, bah, c'est pareil, hein, on va rejeter. Hein. Pas grand chose de bon dans tout ça. Pas grand chose de bon, hein. Alors, on va enlever celui-là, on va mettre un autre exercice, et on va mettre la patate très chaude. Voilà. Donc ça, c'est fait. Contre qui on va jouer maintenant? Nottingham Forest. Bon, malgré nos défaites, on est quand même encore... on est quand même encore cinquième, je crois, hein. Alors, Toulouse est intéressé par le prêt de Jaskelainen avec option d'achat. Ok. On va négocier quand même. Voir ce qu'ils veulent vraiment. Alors. J'aimerais bien un prêt sans option d'achat, mais de toute façon, je vais plus être... à mon avis, hein. À mon avis, je vais plus être avec Doncaster Rovers pour la troisième saison, donc on va accepter... Un prêt de 2 ans. Je propose plutôt un prêt d'un an. Bah moi je propose un prêt d'un an. Bon allez, on accepte, on va pas chipoter. Par contre, t'as intérêt de prendre 70%. Hein. Tu prends 70% du salaire. Il est ok. Montant du futur du transfert, 900 000. Oh, je suis sûr que tu peux monter à un petit million. Hein? Le million symbolique. Tu peux monter au million symbolique. Voilà, parfait. Comme ça, JSKNN sera à Toulouse. Alors, le match à venir est crucial. Pour notre saison, je me sens bien et je pense que je serai plus utile que Ewitt pour cette rencontre. J'y songerai. C'est vrai que j'ai oublié de mettre... de remettre l'équipe A. J'étais plutôt en forme récemment, je me sens bien. J'espère que vous n'allez pas me mettre sur le banc pour le prochain match. J'y songerai, t'inquiète pas. Vous allez jouer tous les deux. C'est juste que... J'ai complètement oublié de remettre l'équipe A. Voilà. Allez, Nottingham Forest. Celui-là, par contre, on peut jouer. Donc, c'est parti. Oh salut, c'est Germain Toussaint. Bon, je profite de ma pause donate là pour te dire que si t'aimes la vidéo, tu peux t'abonner à la chaîne. Voilà, abonne-toi mon poulain. Et puis, si t'aimes vraiment la vidéo, n'hésite pas à laisser un like et un commentaire. Voilà. Allez, bonne vidéo mon petit pote. Merci Germain Toussaint. Salut à tous, je suis absolument ravi Allez. De vous retrouver pour cette rencontre. Bonne Caster Rover. C'est Hervé Matou, avec, vous vous en doutez, avec le parti. Cet anglais qui sera donc à l'honneur aujourd'hui avec cette rencontre de FA Championship. Le spectacle devrait être. J'espère que celui-là on va le gagner parce que là on a fait quand même deux défaites d'affilée. Je voudrais pas que le moral soit entamé tout de suite pour un bon vieux 1-0 tout dans le pourri, mais nous on attend surtout un bon match.
Un match intéressant à suivre évidemment avec deux joueurs qui devraient s'illustrer. 11 passes décisives. Versus 13 buts. Follet versus Da Costa. Da Costa, ancien Valenciennois bien sûr. Bon, sa modélisation elle ressemble à rien. Hein, mais... un peu comme Malinov, tu vois. Malinov il ressemble à rien. Lucas Chevalier non plus, il ressemble à rien. Bon, pas très Covid friendly tout ça. Hein. Ah ouais, ils ont mis les trucs en orange. Soit. Le match qui débute à l'instant. Pourquoi pas. Bon. Tout d'abord, on va commencer par poser le jeu. Et si on peut. Alors ça, c'est évidemment, on pourra pas parce que l'autre, il fait des conneries. Je demande une passe à Rabey, il me l'a fait à Lirola. Acosta. Cardona. Ouais, c'est joué par-dessus. Il est hors-jeu. Je l'ai pas vu hors-jeu, perso. L'arbitre assistant l'a bien vu, il y avait hors-jeu. S'est fait prendre bêtement là, il est parti beaucoup trop tôt, problème de timing. Ouais. On va dire qu'il y avait hors-jeu, de toute façon. On au moins pour le une jeu. Fois que ça m'est utile. Oh, je les ai fumés sur cette action. Hop là. Et ce centre qui n'est pas allez, parti bien contré. Loin. Contré. Le corner en direction du point de pénalty. Raté. Et le danger qui s'éloigne avec ce dégagement. Le volant. C'est contré. Contré. Ouais, c'est dévié le ballon qui sort. De toute façon, on va continuer de la jouer offensive. Hein. Ouais, bonne maîtrise hein, sur ce tacle. Touche à suivre. On va continuer de la jouer offensive. Eh non, ça n'ira pas plus loin. C'est bien défendu. Ah, c'est pas ouais, fini. Bien défendu. Peut-être partir c'est vite en contre. Dit, hein. Oh, il s'est ouvert un boulevard. Alors cette fois-ci, ça ne passe pas. Mais enfin, la contre-attaque a été rondement menée. Vraiment extrêmement efficacement. Ah, t'as vu comment ça allait vite hein. Tu sentais qu'ils attendaient ce ballon, les mecs. Aïe. Il y a faute, là. Oh. Cardona. C'est quoi, ça? C'est en profondeur. Fausse alerte finalement. Il a pas ce qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse. Je crois que c'est l'épisode maudit. Quoi que tu fasses, il y a rien qui va passer. Oh, défenseur, il aime la poudreuse lui. Hein. Une saison plutôt prometteuse hein, pour cette équipe. Disons qu'elle est bien placée au classement. Il va falloir qu'on pour essayer d'aller encore un peu plus haut. Hein. On va repasser par derrière hein, parce que. J'avais pas beaucoup de solutions devant, hein, ouais. Les passes qui s'enchaînent en espérant trouver l'ouverture. Tête de là. Elle est contrée cette fois. Ah putain, mais à chaque fois c'est contré, hein. La bonne lecture là pour mais intercepter putain, ce merde. Ballon. Vous cassez les noix. Qu'est-ce qu'il va faire? Oui, idéalement ça. Ah putain, de merde. C'est trop fort ça. C'est trop fort. Tu devrais faire encore plus fort les volants la prochaine fois. C'est bien joué défensivement, bien vu. Ah oh, putain, il passe. Alors Pierre, est-ce que la neige va perturber les joueurs dans ce match selon vous? Certains s'en accommodent plus que d'autres. Hop 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 hop. Il y avait personne sur lui. Ouais peut-être. Il y avait personne sur lui. Un détail, mais finalement elle frôle le cadre. On me dit qu'il y a eu un pénalty quelque part. Est-ce qu'on peut avoir des précisions? Effectivement, Hervé, un pénalty pour les visiteurs. Mais ça n'a rien donné. Trop de précipitation peut-être dans sa course d'élan. Le ballon est parti dans les nuages. Et donc toujours un but partout. Et l'on joue ici depuis 34 minutes. Merci, c'était complet, c'était précis. Ouais, bon, pénalty qui n'a rien donné de l'autre côté. Allez, Follet. La frappe. Pop, 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 le Follet. Le duo parfait, Follet Rabel, 1-0 pour le Doncaster Rovers. Super ça. Ah c'était bien joué ça. De ce contre avec. C'était bien joué. Qui part seul au but. Il a bien résisté au retour de la défense et il a laissé aucune chance au gardien. C'est une belle action individuelle. Bon.
On va en mettre un deuxième voilà, maintenant. Le score qui est donc ouvert, 1-0. Est-ce que tu vas faire entrer Witt? Peut-être. Je dis bien peut-être, s'il se fout pas de ma gueule. Après, il a déjà joué pas mal. Hein. Qui s'est fait passer sur cette action. Ouais, Dabo, il se fera pas passer, lui. Bien loin, contré. Ça sort, le ballon a été dévié. Ça sera donc un corner. Ah, il est bien parti, ce corner. Comme je dis, pour une fois que je peux monter Dabo... On cherche la faille dans la défense adverse. Hop là. Ah, mauvais dégagement, là. Attention. Là, il y avait faute sur mon joueur, clairement. Clairement faute sur mon joueur. Hein. Le temps réglementaire est terminé. Une minute de plus maintenant. Ah putain, pourquoi tu y es pas allé? On retiendra donc de cette première période qu'on a vue. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, mais c'est quand même dommage. Alors... Ouais, James, il s'est blessé, forcément. Qui est-ce que j'ai pour le remplacer? J'aurais peut-être Watts. Est-ce que Watts, il peut le remplacer? Ça a pas trop l'air de le gêner. Ça a pas trop l'air de le gêner. Bah écoute, Watts, tu le remplaceras le temps de sa blessure. Hein, à mon avis. La seconde période qui reprend à l'instant... Voilà, hop, ça c'est une récupération sans effort pour l'adversaire. Allez, chacun son tour. Hein. Allez, après tout, pourquoi pas. Attention à la frappe. Le gardien qui repousse, attention. Le gardien, quoi. C'est quelqu'un pour l'aider. Elle frappe contrée par le défenseur. Le gardien. C'est dévié. Ah la vache. Ça sera une touche. Il essaye de trouver la faille. Oui. J'ai pas beaucoup de solutions devant. Ouais, jolie conservation du ballon. Ouais, ouais, bien même, joué, bien même joué là, le défenseur. J'avais pas de solution. On suit bien sûr ce qui se passe à Birmingham et je crois qu'il y a eu un but à Villa Park. Oui, oui, Hervé, c'est le premier but pour Aston Villa. Un but à zéro donc, alors que nous en sommes à 51 minutes de jeu. Parfait, merci pour ce point rapide. Le Bayer Leverkusen qui a fait pas mal parler de lui sur le plan des transferts. Ok, ça c'est bon ça. Avec un recrutement qui vient d'être confirmé. Oh, le grand danger. La mauvaise inspiration sur ce ballon. Chier. Beaucoup trop fort. Ah, la puissance du Hus, il était là. Hein. La puissance du Hus, c'est Husement fort. Hein. Mais bon. Et le match qui reste. Là pour le coup. Ouais, alors que normalement cette équipe. C'était pas très utile. Ouais. Bon. On fait des remplacements stratégiques. C'est pas du tout stratégique, tu remplaces un 77 par un 67 de général. Ouais, mais Gomez, il a prouvé qu'on pouvait lui faire confiance. Et le but! Le but qui permet à cette équipe en attendant, de tenter. Je pense que là, on peut faire le dernier remplacement en remplaçant Follet par Ewitt. Vu qu'il voulait jouer, bah t'inquiète pas, tu vas jouer, mon gars. Deux buts d'avance désormais. Tu voulais jouer, pas de problème. On va te faire jouer jusqu'à ce que tu crèves. Il faut surtout pas se relâcher maintenant. J'ai plus de force, j'ai plus rien dans les jambes, j'en ai rien à foutre, tu joues. On voit le joueur qui échappe à la tu m'as demandé de jouer, tu joues, allez. Ouais, exploit individuel, belle preuve de sang. Mais j'ai des crampes, rien à foutre, tu continues de jouer. Même sur une jambe, tu vas jouer jusqu'à ta mort, enfoiré. Ça fait donc 2 buts d'écart maintenant. Non, je suis pas comme ça. Je suis pas comme ça, moi. Plutôt quelqu'un qui préfère avoir tout le monde en forme à 100%. Même s'il est à 98, ça me ferait chier, tu vois. Mais attention, bon. Il y a un peu d'espace devant lui. C'est moi. Hein. Allez, mais hop, non, Gomez. Cette action ne donnera rien. Ouais, Abel, t'es un peu tout seul. Hein. Ah, c'est superbe. Bon, t'es un peu tout seul, mais tu les as défoncés. Hein. Tu portes le ballon. Oh, quelle détente! Oh, oh putain. Il est allé la chercher très loin, celle-là. Ouais, pourquoi moi je suis toujours en. Je suis toujours en t-shirt et tout pour jouer là. Là depuis le temps ils l'ont pas réglé ce bug là. Ouais, bien tiré ce corner. Raté. Et repousse le tir. Raté.
Bien joué, Watt. Bon, ça ne servait à rien, en fait. Il y a peut-être moyen de placer un contre, hein, attention. Non, non, on a bien joué, Watt. Mais c'est un adversaire, hein, qui récupère. Watt, en défenseur gauche, il peut faire le taf aussi, tu vois. Ouais, lumineux, c'est pas... Boum ! Et le but, c'est beau. Et oui ! Avec une superbe passe décisive de Madjer Gomes. Et c'est le 3-0. Allez ! Ça, c'est fait ! Ils ont une avance très confortable à l'approche de cette fin de match. Bah ouais, hein. Follet, Rabuel et 8. Ça va. Ça le fait. Bon, c'est pas grave. On va quand même récupérer. Allez, vas-y. Allez, dans le couloir. Ouais. Pas trop ce que je voulais. On va faire avec. On s'attendait à une rencontre serrée. Et finalement, pas du tout. Hein. C'est une promenade de santé. Ouais, il domine largement. L'adversaire est pourtant d'un niveau sensiblement égal, mais... Il peut le mettre. Oh, bien joué, Chevalier. Exceptionnel. Oh, quel arrêt. Ah, c'est magnifique. Et d'ailleurs, ses coéquipiers le félicitent. Ouais, celui-là, bien joué. Bravo. Il a cherché le point de pénalty sur ce corner. Ça passe. Ouais, c'est pas embêté. Je renvoie comme un taré. Mais ça passe. On entre dans la zone dangereuse. Oui. Bien joué, Gomes. Et tu as défoncé son joueur. Bien joué. Bon, il passe. Doublement bien joué. Allez, ça c'est beau ça. L'arbitre qui décide d'interrompre le jeu. On va quand même prendre le temps d'aller voir le jeu. Bah blessé. Quoi, que il j'ai fait touché, hein. Il va sortir. Oh, ouais, bah c'est... oh c'est bête. Bah hey, tu m'as blessé un joueur, fallait bien que je t'en blesse un. Bon, lui par contre, à mon avis. Oh putain, oh ouais! Oh putain! Ouais, bon, lui c'est la morgue! Lui c'est la morgue directe! Ah putain! Je l'avais pas vu de cet angle là! Ouais, ça aurait peut-être mérité un petit carton en vrai! Ça aurait peut-être mérité un petit carton! Ouais, bon, alors là, je l'aurais rendu la balle, mais comme un con! Le tireur qui a visé la zone du point de pénalty. Ouais. Elle presse. Blablabla. Le jeu qui se poursuit. Dabo qui monte en attaque. Dabo, il est chaud. Ah, je l'avais pas vu hors jeu. J'étais hors jeu. J'aimerais vraiment revoir ça au ralenti. Non. Ce ballon qui n'est pas donné au bon moment, on le voit sur ce ralenti. Ouais. Mais bon, ouais, j'étais hors jeu. Un pied hors jeu, mais j'étais hors jeu. La dernière minute avant le temps additionnel. Alors que 4 okay, minutes bon, ont ça, été ça passe. Ajoutées au temps réglementaire. Ça passe aussi. On poursuit son action. Ah oh, putain. Et ça va s'arrêter là. Très beau geste défensif. Quel dommage. Ouais, peut-être une situation intéressante là. L'arbitre qui siffle la fin du match à l'instant. Ah non, et ils ont cette fini. Équipe qui peut donc bon, empocher les 3 points bon, devant son grave. Public. Allez, 3-0 pour nous. Chose à cette équipe aujourd'hui. Rien de qu'est-ce que tu as un foot les 3 points. J'adore. N'empêche que FIFA, il corrige un bug pour en créer un autre. Hein. C'est vraiment des sacs. Hein. Aïe, aïe, aïe. Il y a des jeux où t'as des bugs. Mais bon... Je veux dire, c'est des petits bugs. C'est pas des bugs qu'on voit tout le temps. Bah, avec EA, c'est toujours des bugs que tu vois tout le temps. ou qui te font chier un max. Bon. On a quand même fait un très très bon match hein, dans l'ensemble. Ouais, les scores finaux. 3-0 pour nous. Have you got time for just a few questions? Ouais, j'ai un petit peu de temps pour des questions. Ouais. Alors, malheureusement, James s'est blessé et sera absent 5 jours. Ouais, c'est bon. Il va se remettre vite. Il va se remettre vite. Ne vous inquiétez pas. Tac.
il ratera peut-être un match. Bon, ça arrive, hein. Ça arrive. Ça sera que mieux pour Watt. Il aura un petit peu de temps de jeu dans les pattes. Ouais, le mérite revient aux joueurs. C'était un beau duel entre deux équipes très proches l'une de l'autre. Et c'est nous qui avons gagné, mais le score ne reflète pas la physionomie du match. Vous avez eu votre revanche contre cet adversaire. Comment vous étiez-vous préparé? On a analysé leur style de jeu après la dernière rencontre et on a exploité leurs points faibles. C'est vrai? Non, c'est juste que ça fait plus professionnel en fait. Mais en vrai, j'y suis allé à la pisse et... et c'est le talent. Alors, bonjour coach, j'apprécie vraiment que vous m'ayez écouté et que vous m'ayez donné du temps de jeu tant que je suis en forme. Continue comme ça, gamin. Super victoire, coach. Je vous avais dit qu'en me retenant, ça nous permettrait de gagner. Bon boulot, gamin. Et j'ai un joueur blessé. Évidemment, contusion à l'épaule pour 5 jours. Bon, l'autre, par contre, c'est pas une contusion hein, qu'il a eu. Hein. L'autre, c'est pas une contusion. Il est où? Day plus utilisé que prévu? Bah, non. Toby Day, je l'ai pas vraiment... Je l'ai pas vraiment utilisé plus fort que ça. Info mondiale, peut-être? Non. Non, bah, j'aurais pas l'info sur la blessure de l'autre. C'est dommage. C'est dommage parce que ça aurait été très marrant de voir... Oh putain, je suis quatrième. J'ai même pas regardé ça. Bon, bah, soit. Alors. Offre de transfert pour James. Bon, c'est pas grave. C'est notre deuxième joueur qu'on perd. Alors, on va négocier pour avoir vers les 3000. Enfin, 3 millions. Hein. Je dis 3000, mais c'est 3 millions. Qui est-ce que je pourrais avoir? Telle est la question. Telle est la question parce que je ne sais pas qui je pourrais avoir à la place. Je vais quand même pas reprendre encore des joueurs du VFC. Parce que ça va pas le faire. Alors, je propose un nouveau montant. Je propose 3 millions. S'il vous plaît. Alors. Ils sont ok. Bon, bah écoute. On va regarder directement en défenseur gauche, ce qui pourrait être intéressant. Après, peut-être que Watt... je ne sais pas, peut-être que Watt, il pourrait le faire. Faut voir. Johan Gastien. Ici, à quoi? C'est que du milieu gauche. Que du milieu gauche. Ça m'intéresse pas. Alors... Tout poste digne de équipe, meneur de jeu. Ouais. T'as pas un... Alors lui, il est digne de l'équipe apparemment, mais bon. Il y a 30 ans. J'ai peut-être lui, mais je sais pas s'il pourrait passer milieu gauche. Enfin, défenseur gauche, pardon. Franchement, je ne sais pas. Ou alors, je vous laisse sur un gros cliffhanger sans savoir qui je vais prendre dans l'équipe. Pour un deuxième défenseur, enfin pour un défenseur gauche, et là vous serez bien niqué. Le gars qui aura aucun respect, tu sais. J'ai quand même regardé dans mon accueil transfert, hein. Peut-être que j'ai des milieux gauche, enfin des défenseurs gauche. Enfin, j'ai un défenseur droit déjà. Ouais, j'ai un défenseur gauche. Pim, pim, pim.
Bon, j'ai un défenseur droit. C'est pas ouf, pas du tout. Ok, et dans mes joueurs, mes jeunes du centre de formation. Lui, c'est défenseur central. Ouais, donc lui, ça pourra pas le faire non plus. En tant que défenseur central, il va être sympa. Il va être très très sympa. Bon. Bah écoutez, je pense que je vais finir en gros cliffhanger, hein. Je vais rechercher de mon côté le meilleur joueur pour le remplacer et puis on va terminer comme ça. Bon. Eh bah écoutez les amis, oh, Rabuel et Follet ont pris un point, ça c'est bien ça. Bon bah écoutez, chers amis, j'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à la prochaine. C'était Dino Oliveira, ciao! Yeah.